Bonsoir, salut à tous et à toutes, c'est Tommy, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que ça m'ennuie au plus haut point. En tant que joueur de Lonzo, je compatis aussi aux joueurs de Macri, peut-être aux joueurs de Fatal, aux joueurs de Soldier, enfin toutes les personnes qui tirent à mi-distance. Vous allez comprendre puisqu'il s'agit des captures de points qui vous font chier lorsque vous visez quelqu'un. Donc en gros, les gros objectifs A, B, C, payload, P, enfin tout ce qui est gros objectifs et qui vous gêne en jeu. Donc là, on va en voir quelques-uns, quelqu'un qui a fait un post très intéressant. Et moi, j'en ai remonté un qui n'a pas listé, qui me gêne au plus haut point à chaque partie. Et pourtant, personne ne s'en plaint, c'est un truc de ouf. C'est des trucs qu'on a à chaque partie. Donc effectivement, les gens qui jouent Reinhardt, qui jouent Winston, qui jouent... Ils vont pas avoir de problème, puisqu'ils vont au corps à corps. Mais toutes les personnes à mi-distance, au moins, longue distance, Lonzo sur très longue distance, sur Macri sur très longue distance, c'est genre invivable. Donc ça, on va voir ça en commençant par Anamura. Anamura, là, on va voir que c'est gênant, c'est très gênant. Alors là, les cas qui vont être montrés, c'est des cas bien spécifiques. C'est des cas voilà, qui vont vous aider en tout cas ou vous faire chier à certains moments. Mais en gros, voilà, quand vous êtes attaquant, ben, là, le gros point B va vous empêcher de voir littéralement le spawn adverse droit des défenseurs. C'est genre... Et ça arrive très souvent. Donc, l'idée de Blizzard dans tout ça, c'est qu'ils vont, il va falloir faire quelque chose. Ça fait un an, perso, que moi je me plains de ça. Genre, ça fait un an que je me plains de ça. J'ai toujours joué un petit peu Lonzo par-ci par-là, jusqu'à maintenant où je joue énormément. Mais c'est genre invivable. Il y a certaines situations où c'est pas possible. Alors là, attaquer le point B, bon. Là, ça marche pas trop, mais je suppose que quand il défend, il écrit la même chose, défendez le point B. Et là, le défenseur qui arrive ici, eh ben, il voit pas la Widow qui est là-bas sur l'escalier. Enfin, la Widow ou Lonzo ou peu importe. Mais les gens qui sont à l'entrée de cette porte là-bas, ils sont safe tant que vous êtes ici. Vous les voyez quasiment pas. C'est genre... C'est pas possible. Là, par exemple, c'est des exemples sur Horizon où on va voir quelques situations où ça va gêner. Après, c'est pas toutes les situations. Par exemple, là, le point A, il l'a mal pris. Mais par exemple, si on est à la zone là-bas sur la rampe, ça va nous gêner sur les mecs qui sont sur le point. C'est des choses... Quand je vous raconte ça, c'est vraiment du vécu. Hein. Je vais vous raconter ça sur chaque map. Mais c'est des choses qui sont très, 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 très pénalisantes. Et là, voilà, c'est un petit exemple de rien du tout. Mais l'exemple en lui-même sur Horizon, ça serait de regarder plus à droite, ici, quand vous tirez en tant que Lonzo sur le point. Vous êtes sur la rampe tout en haut à droite, et vous tirez là en bas sur les défenseurs. Et bah pareil, vous allez être emmerdé par ce point, un gros point attaqué A, qui... Pour les débutants, ça sert, mais pour les confirmés, on va dire, les pros, les confirmés, ça ne sert strictement à rien, cet affichage. C'est affiché en haut de votre écran. Déjà, le truc, je trouve qu'en ce moment, l'espace sur le HUD me perturbe énormément. J'ai l'impression que c'est énorme, tout ce qui est affiché sur l'écran. Donc, en plus, avoir ce gros point A qui sur votre écran, alors qu'il est affiché là-haut, Aucune utilité. Anubis, alors Anubis, voilà. Par exemple, celui-là, il est pareil. En plus, c'est parfait hein, que ça soit un Lonzo qui monte le truc parce que s'il l'aurait pas fait, je l'aurais fait un de ces quatre. Mais voilà, là, c'est un exemple qui est moins concret, mais celui-là, ça m'arrive tous les jours. C'est genre, vous avez votre Lonzo, vous allez pour viser, bah. Ce que vous voyez pas trop en fait, ce que vous voyez bouger là-bas, et voilà, niveau précision, bah zéro pointé parce que vous ne voyez strictement rien. Là par exemple, c'est pas un bon exemple non plus,
Le bon exemple, ça aurait été de montrer sur le point B. Le point B, quand vous allez être en hauteur et que vous allez sniper en tant que Hanzo, parce que après Macri, ça va être compliqué de monter en hauteur. Mais pareil, le point B, l'affichage du point B attaqué, va vous faire chier en tant que Hanzo à certains points de vue. Donc, pareil, même punition, toujours même punition. C'est hyper chiant. Hyper chiant. Volskaya. Alors Volskaya, là par exemple, on a des hauteurs de tous les côtés sur le point A. Et le point A en lui-même. En fait, le problème. Alors le point A, les objectifs de façon générale, comment on pourrait les gérer? Sur Call of Duty, de ce que j'ai vu, les objectifs disparaissent au fur et à mesure que vous vous en rapprochez. L'opacité augmente. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être pas mal. De faire disparaître au fur et à mesure le point visuellement, plus vous en approchez, plus il disparaît. Moi, je serais d'avis de mettre une option en choisir d'enlever ou pas. Point A, voilà, on sait qu'il est là. Là-haut, c'est écrit. Point A, pas besoin de le dire 50 fois. Là-haut, la progression du point A est affichée aussi. Donc, pas besoin de nous le redire 50 fois partout. On sait qu'il faut attaquer le point B. Et le B, il est affiché là-haut. De toute façon, le point A, c'est écrit qu'il a été capturé. Donc, pareil, des redondances qui ne sont pas utiles, à mon goût en tout cas, sont utiles pour les débutants. Et effectivement, mettre une option, afficher les aides, moi je considère ça comme une aide, hein. Afficher les aides d'attaque, de défense, les aides d'objectif, voilà par exemple, afficher ou non les aides d'objectif. Ce serait bien. Donc voilà. Ça, c'est mon quotidien. Affronter, en fait, le plus gros adversaire que j'affronte, c'est les points de capture. C'est quand vous allez avoir des mecs sur le point de capture, c'est très compliqué. Et malheureusement, en tant que Hanzo, en tant que Macri, parce que là, les exemples que je cite là, ça, c'est pas que Hanzo. Ça, c'est Macri, c'est Soldier, tous ceux qui sont en mi-distance. Là, il n'y a pas de zoom. Donc, toute personne qui tire à cette distance-là sur des gens qui sont en bas seront impactées. Donc, Moira, par exemple, qui essaie d'avoir des gens ici, Zen, enfin, tous les persos hitscan, projectiles, là, Widow sera moins impactée parce que si elle zoom, ça la gérera sûrement moins. Mais ça arrive beaucoup trop souvent. Alors là, on a le cas Hachelval. Le cas Hachelval, c'est très complexe parce que quand on va arriver sur le payload, en fait, le payload étant en mouvement, on va avoir beaucoup de cas où il va nous faire chier au niveau de, en tout cas, de cet affichage de points. Donc là, par exemple, c'est un petit bon exemple. C'est vrai, hein, ce qu'il montre là. Hein. Moi, quand j'arrive en zone au tout début de la game et que je veux tirer sur quelqu'un, s'il est à gauche, ça va, mais s'il est à droite, et là, vous pouvez vous gratter pour essayer de faire un perfect shot en headshot. Voilà, alors là, le payload, c'est... s'il y a un mec sur le payload, déjà, il est safe. S'il y a un mec sur le payload, il est... S'il faut qu'il prenne un skin rouge, il est parfait. Là, pff, génial. Le mec, tip top. Hollywood. Hollywood, alors il y en a beaucoup. Et Hollywood, on va voir, c'est énormément de positionnement par rapport au payload, toujours pareil. Donc là, le point, pareil. Pourquoi? Là, la plupart du temps, les premiers fights se font ici, à cet angle. Et les attaquants sont éblouis par ce gros point. C'est juste scandaleux. Comment ça peut exister, ça? Là, ça, les attaquants ne voient strictement rien. C'est pas possible. Après, voilà, là, par exemple, un Torbjorn, je sais pas quoi, qu'est-ce qui pourrait se foutre là-bas? Un Hanzo, une Fatale, peu importe, quelque chose qui se fout là-bas sur le payload, c'est juste impossible à tuer. Alors, effectivement, c'est possible à tuer, mais c'est genre, vous êtes pas à votre confort optimal. Là, ce point A... Là, le point A en lui-même, j'ai rien à redire. C'est genre, qu'est-ce qu'il fout là?
Mettez-le plus haut, mettez-le pas en fait, ça sert à rien, ça sert à rien. Là j'arrive en Hanzo pour tuer, lâcher quelques têtes, et paf, le point A qui s'affiche par-dessus des alliés, enfin des ennemis. C'est genre, c'est pas possible, non, non, non. Là, c'est situationnel, mais ce qu'on voit ici, c'est pas que pour les attaquants, c'est pour les défenseurs aussi. Donc, si ça arrive par l'escalier, si ça arrive par la droite, c'est toujours pareil. Là, le point attaque que vous voyez, il va devenir bleu pour les défenseurs, c'est tout. C'est, le positionnement reste le même. C'est juste très scandaleux, voilà. Là, on le voyait dans l'autre sens, là-bas, sur l'escalier, mais finalement, les défenseurs sont aussi gênés par ce point. Et c'est pour ça finalement on voit personne ici sur ces positions, parce que le point gêne. Là il pourrait y avoir facilement un Torbjörn qui mette sa tourelle tranquille, il est à peu près protégé par par le payload, et il peut taper sa tourelle tranquille. Alors après c'est un mauvais positionnement, mais c'est pour l'exemple en lui-même. Voilà, là par exemple, toujours pareil, un spot à Torbjörn là-bas, pourquoi pas. C'est toujours pareil. En fait, c'est le point en lui-même qui gêne. C'est là, il fait beaucoup d'exemples autour du payload. Mais comme je l'ai cité tout à l'heure sur la cheval, le positionnement du payload, en fait, ça va être très situationnel. Cet affichage de le point P pour payload qui va faire chier, qui va rester au-dessus du payload. Ça va être très situationnel puisque ça va bouger énormément. Les teamfights autour du payload, etc. Et la plupart du temps, ça va vous faire chier. Ah, je vous raconte pas le bateau pirate sur Ashenvad avec Orisar et Bastion. C'est genre... scandaleux. Donc là, Lijiang Tower, donc là la place du marché, pareil. Vous voulez tirer sur des gens, bah en fait vous pouvez pas parce que bah... Je vois rien, donc... Alors le blanc, je crois que j'avais pas remarqué, mais c'est même pire que le rouge. Le attaque, on voit à peine. Pourquoi l'afficher finalement? Pourquoi? Ça sert à rien. Voilà, le attaque est là. Mais le blanc, voilà, toujours pareil. C'est genre hyper scandaleux. Alors là, voilà, il a rajouté un screenshot. C'est celui-là qui me fait le plus chier au monde. Il existe aussi sur l'autre round de Lijiang Tower, Jardin. Où il y a le poteau avec la pub et tout à la sortie du spawn. Et bah là, si l'autre team vous repousse à votre spawn, vous voyez plus rien du tout à cause de ce point qui existe aussi sur Jardin, puisque le spawn et le point sont vraiment bien alignés sur une ligne droite. Donc là, ce point-là, c'est mon pire ennemi. C'est pas l'ennemi en lui-même qui est derrière ce point, c'est le point en lui-même qui me fait chier. C'est le gros cercle blanc qui peut me faire chier. Je vais vous montrer une vidéo là que j'ai record. C'est genre hyper scandaleux. Comment c'est possible qu'on en arrive là? C'est genre... je sais pas, bizarre, ils doivent pas jouer à leur jeu, c'est pas possible. Donc là, le highlight voilà, qui met un peu de temps, mais... Ah, pareil. Ça, là, en ce moment, en fait, j'ai vraiment des problèmes d'interface en ce moment, mais... Pourquoi le nouvel affichage des morts? Là, on voit rien. Alors, bon. Démerdez-vous. Voilà, en Hanzo. Alors là, alors qu'est-ce qu'on va tirer? Les bambouets droites, ils sont pas trop dangereux, mais. Je sais pas. Là, franchement, voilà, on voit des gens qui sortent. Regardez, hein, c'est littéralement ça. Hein. On voit des alliés qui sortent. Là, on les voyait pas. Et hop, il y a des alliés qui apparaissent. C'est genre, c'est pas normal. C'est pas normal, on voit des petites flèches qui sautent, qui bougent, et hop là, elles disparaissent. C'est genre, c'est pas normal. C'est pas normal, et surtout les ennemis, c'est... Les alliés, bon, on s'en fout un petit peu, à part si on a healer, mais... Le point C, regardez-moi ça. Là, d'ailleurs, le point C, il est... Qu'est-ce qu'il faut en haut à gauche? Je suis en train de... La vidéo que j'ai fait, en fait, là, elle est même pas... Elle est même pas... C'est... Le point C, qu'est-ce qu'il fout à gauche? En plus, le halade qui fait un gros bug. En fait, là, ce que je voulais pointer du doigt, c'était surtout les portraits de héros. Traceur, qui fait office de point, parce que le point C, normalement, est affiché ici. Mais là, pareil, les portraits de héros cachent totalement la vue. Donc ça, pareil. Faire une opacité, faire quelque chose.
On le sait que la personne est morte, c'est écrit dans le kill feed, c'est écrit quand vous appuyez sur table. En compétitif, c'est vous parler, de toute façon, vous savez quand elle est morte. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de prouver qu'une personne est morte. Donc pourquoi rajouter encore des trucs à l'interface ou qui en plus empêchent de voir les gens? Là, s'il y a une widow en face, moi je sors, mais je me prends une tête directe. Là, on voit rien. On voit peut-être une barrière là. Bon, pourquoi pas. Une petite barrière. On a vu un Genji sautiller, voilà, un dash. Mais, et bah voilà, deux autres morts. Donc là, bah, on voit encore deux portraits en plus qui nous font chier. Le Genji ou la Moira qui est ici, qu'on voit à moitié. Ouais, c'est un Genji. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est très situationnel. Mais ça se reproduit énormément de fois. Et ça, c'est un gros problème dans Overwatch, je pense. Qui devrait, normalement, j'espère, très vite résoudre. Parce que finalement, tout le monde est impacté. Tout le monde est impacté au niveau. Enfin, 50% facile des joueurs sont impactés au niveau de leur héros qu'ils jouent. Donc là, Hanzo, toujours. Voilà, le point A. Ça, c'est des trucs très récurrents. Pourquoi ? Là, le mec est à la porte là-bas, les mecs qui sont à cette hauteur du point vont... Le point sera littéralement devant les joueurs, en fait. Hein. Les joueurs qui seront sur le point, peu importe où ils sont par rapport à l'affichage du point, le point à attaque sera toujours devant les joueurs. C'est genre... C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, après, je passe au fur et à mesure parce que c'est toujours la même chose. C'est hyper frustrant en fait de les revoir parce que c'est des choses sur lesquelles c'est... Alors, ok, je suis pas un pro des shots, mais ça aide pas non plus. Ça aide pas non plus. Et c'est hyper rageant quand on... Finalement, on sait qu'il y a une personne sur la cible là-bas, mais on la voit à peine. On voit quelque chose bouger, sachant que en plus les ennemis sont avec une aura rouge. Donc... Point rouge avec aura rouge, autant dire que les ennemis, à part s'ils sont en vert fluo comme un Genji, ça va être très compliqué, ou en tout blanc peut-être, et encore, ça va être très compliqué de les voir. Oh là, pareil, Ilios, on arrête tout, Ilios là, c'est pareil, quand je sors du spawn, j'ai peur, je sais pas ce qui va m'arriver dans la gueule. C'est exactement pareil, les points sur les King of the Hill sont juste... affreux à affronter finalement. C'est les points que j'affronte moi. C'est pas tous les scans d'ailleurs. C'est juste énorme. C'est une grosse plaie à gérer ces points. Et pourtant, je fais avec et je m'adapte. Voilà. Alors ça pareil, je l'ai eu il y a peu de temps. Pareil, j'arrive en bas et là, je regarde là-haut, je fais merde. Où est-ce qu'ils sont? Genre derrière le point avec... Ouais, où? Je les vois pas en fait. Et ici. Alors pareil, hein, quand vous arrivez en haut, il y avait un... Alors moi le point que je voulais soulever c'était plus quand on est un petit peu plus à droite sur le balcon, ou peut-être tout à droite. Voilà, il y avait un Rodog, qui était à la hauteur du point blanc. Donc pareil, ça va que c'est un Rodog, hein, on pouvait le toucher, mais... Pareil, on le voyait à peine, donc c'est vraiment pas fun des fois dans certaines situations. Voilà, King of the Hill toujours, Oasis. Pourquoi? Voilà, le point bleu, le gros point blanc, je crois que c'est le pire en fait. J'avais pas autant marqué à l'époque, mais là ça saute tellement aux yeux, ça fait peur. C'est un truc de ouf. Et là on va voir pour un dernier exemple la vue attaquant défenseur. Donc là, sur Ilios, on voit l'attaquant défenseur à droite. Et finalement, des deux côtés, ça va faire chier. Alors, un petit peu moins pour les défenseurs, parce que les défenseurs, eux, vont voir un point bleu pour dire défense. Mais les ennemis seront en aura rouge. Alors que les attaquants, en tout cas votre équipe, verra un point rouge, parce que c'est les ennemis qui l'ont capturé. Et les ennemis sont sur une aura rouge. Donc là, le Macri, il est là le soldier. Hein. On le voit pas. Et là, le Macri, il est où?
Et bah le Macri il est derrière le point B. Et bah pourtant, voilà, on voit rien du tout. C'est vraiment, vraiment injouable. C'est genre... Alors voilà, là on voit les pieds. Ouh. Alors il va falloir viser les pieds. Hein, parce que la tête là, vous la verrez pas. Donc, le Sobia par exemple, là il est sur le point. C'est pas gênant. Mais le Macri, pareil. Nombre de fois que je suis avec mon Enzo en train de tirer des flèches à peu près au hasard dans le rond. Parce que je sais qu'il y a un mec, je vois ses pieds, mais voilà, je vois pas sa tête. Donc... Bon, on va essayer de faire des money shots à peu près. On voit pas la hitbox au-dessus des doigts de pied. Donc, on va essayer, on va essayer. C'est très frustrant. Là, pareil. Alors, selon les jeux de couleurs, par rapport au fond derrière le point, s'il est plus ou moins clair, on y arrivera à peu près à distinguer la cible. Là, le Macri à gauche, on le voit à peu près parce que le fond sur Népal est blanc. Ça, c'est pas un Macri, pardon, c'est un soldier. Mais voilà, déjà là, on n'arrive pas à déterminer. Ça va qu'on a l'écran à droite, mais on n'arrive pas à déterminer que c'est un soldier. C'est genre... Pourquoi? Pourquoi? C'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Ça fait combien de temps? Overwatch, il est sorti depuis un an et six mois, quasiment, plus. Mais il est sorti depuis 7 mois. Un an et 7 mois, genre, bizarre, please. Et il a fait un an de bêta facile avant. Pourquoi? Pourquoi? Donc, c'est vraiment des choses qui sont très, très frustrantes dans toutes les games de tous les jours. Vous avez vu, hein, de toute façon, toutes les maps sont impactées. Ce gros point fait chier. C'est qu'à le dire. Ce gros point fait chier. Donc, évidemment, moi, ce que je propose, c'est d'avoir une option pour les joueurs confirmés, pro ou même... qui veulent s'améliorer tout court, parce que le point fait chier tout court, de ne pas afficher ce point, vous permet pouvoir permettre de l'afficher ou pas. Et je pense que ça serait une bonne solution comme alternative, parce que ça peut pas continuer. Regardez, là c'est vraiment le pire de pire. Hein. Le Macri, on le voit même pas derrière le bleu. C'est un truc de ouf. Le soldier, on sait pas que c'est un soldier. Il est derrière le B. Le B, bah il prend la forme du soldier. Voilà. Donc voilà, nous on va s'arrêter là, et évidemment j'espère que ça vous a plu comme d'habitude, et ça a duré quand même 22 minutes, j'espère que j'ai pas été trop long, j'espère que ça vous a plu, et je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao, à bientôt, bye bye.